Mesdames et messieurs, petits et grands, je suis Chobiti, vous êtes toujours sur la chaîne des Jeux du Cygne pour notre aventure dans Paper Trail. Avec Paige qui va à l'université, on était dans la ville, on jouait sur les toits de la ville. Et je dois bien avouer que les miroirs, les mondes en miroir, m'ont déjà bien fait brûler quelques neurones. Et je peux dire que ce que j'ai sous les yeux, eh ben, va nous rajouter un petit peu plus de perte de neurones ou de gain de neurones, puisqu'on rajoute les miroirs normaux. C'est parti! Et comme je le disais, en fait, on arrive ici avec notre petite page et j'ai pas pu m'empêcher de remarquer qu'il y avait un interrupteur. Et des petits blocs de miroir. On sait donc tout à fait ce à quoi on va avoir à faire. On voit aussi qu'on n'a pas beaucoup de solutions pour partir de là. Donc, jusque-là, ça va. On active. On plie. Ok. Va juste falloir déplier pour que je puisse passer. J'ai même pas vérifié s'il y avait un origami. Je crois pas. Non, il n'y en a pas. Heureusement. Alors, un grand panneau en trois parties. Oh, un origami. Des petites espèces de portails bleus. Des petites espèces de portails rouges. Et bien évidemment, des miroirs et une statue. Bon, bah comment on y va? Ça paraît pas mal. Peut-être comme ça. Sauf que du coup. Non, mais non, vas-y pas, vas-y pas. Tu vois bien que ça passe pas là. Ok, l'origami est là. Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer? Peut-être en pliant. Peut-être en pliant. Certainement en pliant. Voilà. Vous me dites que c'est tout le principe de ce jeu, de plier des choses. Effectivement, c'est tout le principe du jeu, c'est de faire de l'origami. Donc effectivement, on va tout avoir en pliant. Hop. Je peux juste pas arriver comme ça. Je peux juste pas arriver comme ça. Donc le pliage ne sera pas si évident que ça. Ok. On commence par quoi? Le bleu, le rouge, le... Quelle couleur? Je peux pas faire avancer ma petite page là. Donc on va la faire avancer. Comme ça. Oui, en fait, du coup, faut quand même que je redéplie pour faire autre chose comme ça. Repartir dans le même sens n'était pas une bonne idée. Donc... Repartir dans le même sens n'est pas une bonne idée. Voilà, je peux aller là. Est-ce que d'ici, à tout hasard, je pourrais choper mon origami? Eh ben... Ben oui, mais non. Il faudrait que je sois là. Il faudrait que je sois là. Ce qui me paraît pas faisable simple. Allez, on commence par le rouge. Hop. On va laisser poser. Ça me paraît presque trop simple. Ah oui, on peut pas plier à cause de la statue, bien évidemment, la statue. La statue, je me disais bien qu'il y avait un truc qui me coinçait. On se demande bien ce qui nous coince, hein. Les statues, bien évidemment, les statues. Alors jusqu'où je vais pouvoir plier, du coup, si je la mets comme ça? Pas beaucoup.
Donc, est-ce que je peux, par exemple, en pliant ici, arriver à un endroit un peu mieux? Non. Donc, je repousse cette statue parce que on va aller là. Sauf que... Voilà, elle va là, moi je vais ici. Et je peux toujours pas plier assez. T'exagères. Voilà, fastoche, on a eu ça. On recomplique, hein, on veut l'origami comme d'habitude. Du coup, la statue, comme d'habitude, nous casse les cacahuètes. Et on arrive pile comme on veut pas. Est-ce que je peux arriver à quelque chose de pertinent avec cette tuile? Probablement oui. Il faudrait que je puisse plier comme ça pour arriver ici. Ce qui est parfait. Mais comment j'y arrive? Est-ce que je peux plier par exemple comme ça? Est-ce que ça a un intérêt? Je ne suis pas sûr. Ici, je vais pouvoir plier ça comme ça. Oui. Qu'est-ce que ça me donne comme avantage? Pas grand-chose. Ah, on est en train de me dire que peut-être j'aurais pu faire des choses si j'avais vu ça. Ok, donc. Je redescends ma statue, je vais ici. En fait, je vais là, plus précisément. Là, ça me suffit. Là, ça me suffit. Non. Non, là, ça me suffit pas. Oui, voilà. Comme ça, ici. On plie. On plie, on arrive là. Page. On va là. On plie et on récupère notre origami. Fuck! Préfère aller au bar qu'en boîte. Ok, parfait. Du coup, hop, on revient ici. On redéplie là. On s'arrange ici. Ouais, c'est ça. On passe par ici. On remonte et on arrive. Comme d'habitude, hein, ce sont les origamis les plus durs à avoir. Ok, donc deux interrupteurs. Un petit origami caché. Je peux avancer comme ça, mais pas tout à fait. Je peux avancer comme ça. Complètement. C'est parti. Alors, j'ai activé ça qui va ici, qui va aller là. Voilà. J'ai presque envie de dire fastoche, mais on sait tous que non, ce n'est pas fastoche, hein. On pourra avoir.
On pourra avoir le l'origami si on arrive à se plier en face à face. Ok, en vis-à-vis. Du coup, il faut de nouveau que je traverse. Où sont passées mes maisons? Il n'y avait pas de maison. Non, c'est... Je suis arrivée comme ça. Je suis arrivée comme ça. Mais du coup, j'ai dit que je pouvais pas... Oui, je peux pas, mais... Non, je peux pas non plus le mettre bord à bord ici. Ça ne change rien. Pour le coup, j'aurais préféré des maisons, en fait. Ça aurait été plus simple. Ça veut dire qu'il faut que je trouve un moyen de traverser. Par exemple, tout simplement comme ça. Oh, puis je vois qu'on a un 4 ici. Est-ce que tout hasard? Comment je vais faire? Non, je peux pas encore jouer avec mon 4 parce que j'ai pas ouvert ici. Mais peut-être que si. Non, je peux pas. Je peux pas passer. C'est bien ça. Je peux pas passer. Il va me falloir ça pour l'instant. Du coup, ici, je peux aller là. C'est ce qui va me paraître le plus simple. J'active le bouton. Et on trouve une solution. Comme ça. Voilà. Et du coup, on a dit qu'on pouvait choper notre origami. On va peut-être d'abord rapprocher ça pour monter. Et ensuite rapprocher ça pour y aller. Signe! Un canard sous stéroïdes. On est reparti. Oh mon Dieu, combien y a-t-il de panneaux? Beaucoup trop. Il y a trois couleurs différentes. Une lampe. Trois trucs. Des ponts en veux-tu en voilà. Et une patch qui va pas trop pouvoir bouger. Heureusement que j'ai appris ma leçon. Maintenant, je me souviens que c'est pas parce que c'est tentant de y aller dans l'autre sens que l'autre sens est à privilégier. Je vais redescendre. Et on va surtout s'occuper de ces petites choses-là. L'autre orange est où? Attendez, attendez. Où est l'autre orange? Je le vois pas. Ah, je n'ai pas d'autre orange. Si, là. Pile à la place de notre cher Page. Ça va être un poil compliqué. Serait-ce un leurre, le orange? Peut-être, peut-être pas. Mais du coup, ici... Bouge, Page, Page. Ici, la tentation est forte de faire ça. Du coup, on arrive ici. Du coup, on arrive là. Est-ce que l'inverse serait pas plus intelligent?
Peut-être, sauf que du coup, j'arrive sur le fameux orange, qui est un peu... un peu caché. Ah oui, mais peut-être que, en fait. Faut d'abord que je passe par le rouge. Ensuite, on passe par le bleu. Dans quel ordre? Dans quel ordre? Je mets mon rouge là, je mets mon bleu ici, et je mets mon orange. Ah oui, mais si je bouge ça, je bouge ça. Le but étant que ça allume les lampes, hein, quand même, à la fin de la journée. Et je n'ai aucun coin pour faire rebondir, hein. C'est vraiment que ces choses-là qui vont me permettre de faire ça. Ok, en voilà un. Ce qui va peut-être me permettre de faire aussi un peu avancer Page pour m'en sortir. Mais du coup, typiquement, comment je vais m'en sortir pour le orange? Est-ce que le orange... Ah oui, mais j'ai un... Ah. Oui, j'ai mon autre orange ici et ça. Ok. Pas facile, pas facile. Est-ce que je fais progresser Page? Non, parce que je vais attendre que le pont soit avancé. Du coup, on va gérer le rouge. Le rouge arrive ici, le rouge arrive là. Voilà, Page peut avancer. Et maintenant, il nous reste le orange, qui est... Là, mais il est vraiment en mode casse-couille. Du coup, c'est que la solution, c'est plutôt ça. Voilà. Et je déplie. Il me faut une échelle. J'ai une échelle quelque part. J'ai une échelle là. J'ai une échelle là. J'ai une échelle là. Hop, y a pas d'origami, hein. Non, y a rien de ce genre-là. Il nous faut notre échelle qui n'est pas ici, qui est là, du coup. Hop, s'il te plaît. Et on arrive ici. Ok, encore un panneau en trois étapes. On a trois couleurs différentes, quatre couleurs différentes. Des portes. Et des miroirs. Et l'interrupteur est juste à côté. Donc, ce qui paraît le plus simple. On a touché quasiment à rien et on a allumé ça. On a une statue, hein, on va pas l'oublier, elle va nous casser les cacahuètes, hein, on le sait. C'est tout le principe des statues. Ici, on peut allumer ça. Ça allume ça. Ok. On est plutôt pas mal. La question étant... Comment je traverse? Probablement à l'aide de ça. Ah, Page. Je t'ai coincé.
Ensuite, j'aurais tendance à dire qu'on va pouvoir aller là, de l'autre côté. Refaire le même genre de manip pour traverser. On n'oublie pas que j'ai pas encore fait le orange. Et il y a encore probablement d'autres choses que j'ai pas faites, hein. Mais là, on a la statue qui nous casse les cacahuètes. Voilà. Voilà, elle nous libère. Un bleu et un orange. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Ou pas, mais qu'est-ce que je peux faire? Le bleu. Bah parfait. Je n'ai même pas bougé ma statue en plus. Alors je vais quand même vérifier qu'il n'y avait pas de petit origami caché derrière. Mais non. Ok, ici, de nouveau des portails, de nouveau des portes. Donc, j'ai allumé. Je vais bouger Page. Voilà, magie. Le portail, c'est bon. Maintenant, Page. Et voilà. Plus un geste! Fermez les portes! Waouh, vous sortez d'où? C'est mon université. Tu n'iras nulle part. Maintenant, donne-moi ces culottes! Ah ah, bien sûr, madame, mais il faut encore que tu m'attrapes. Ok, donc on arrive probablement au dernier tableau. Et on a un peu tout, c'est-à-dire une armée de portails, on a un petit origami qui se cache, on a des portes, et on a surtout Page au milieu de nulle part. Est-ce que je vais pouvoir l'amener quelque part qui m'intéressera? D'une manière simple. Je suis presque étonnée que ça bouge pas avec le reste, hein. Vu tout ce qu'on a subi depuis le début dans cette ville. Alors, on est parti. Ça part d'ici. J'ai un miroir là et je suis coincé à cause de la statue. Voilà, ça paraissait trop simple, hein. Bien évidemment, je vais pas pouvoir aller la chercher, la statue, puisque pour l'instant, j'ai ça qui coince. Ce qui veut dire qu'il faut que je lui amène un autre portail, celui-là. Est-ce que je peux lui amener cet autre portail? Ben non! Est-ce que je peux lui amener cet autre portail? Oui! Ça m'a l'air pas hyper efficace. Pas hyper efficace du tout. Je peux faire des choses intéressantes avec ça. J'ai pas l'impression. C'est un peu la déception là, je peux rien faire d'intéressant. Pourquoi? Pourquoi je peux pas plier plus? Parce qu'on peut pas plier plus. Bah oui, je vois bien qu'on peut pas plier plus, mais. Mais là, ça me sert à rien. Ça veut dire que peut-être. Ce n'est pas la meilleure des idées. Sauf que, moi je veux bien, mais la statue me gêne quand même. Est-ce que je peux vraiment pas y aller la chercher, cette statue? Si je suis ici, je peux aller. En fait, si je suis ici, on peut aller comme ça. Ce qui veut dire qu'il faut
juste, entre guillemets, trouver un moyen de passer, sachant qu'on a la maison, que l'autre est là. Voilà. Je peux toujours pas aller chercher ma statue, hein, mais on va peut-être mieux s'en sortir. Oui, je peux pas parce que j'ai toujours cette chose-là. Il faudrait que j'alimente ici pour alimenter ici. Ouais, ici, il manque vraiment ça. Alors, à tout hasard. C'est ce qu'on déjà ce qu'on a fait tout à l'heure. Et j'ai pas réussi tout à l'heure à bouger ça. Typiquement, ça marchait pas. Je pouvais pas bouger ce genre de choses pour faire quelque chose d'intelligent. J'ai pas d'autre orange. Et j'ai pas d'autre orange. Donc, ça me paraît toujours pas intelligent. Par contre, si on met Page là, un endroit plus intéressant, Page, tu me gênes là. Tu me gênes. Je sais, c'est compliqué. Mais là, ah, mais non, c'est la statue qui me gêne encore. Ah, c'est la statue qui me gêne encore. Foutue statue. Réfléchissons du coup. Là, je ne peux pas bouger ça parce que Page est dessus. Voilà. Donc ici, j'arrive là. Ce qui m'arrange absolument pas du tout. Ici, à la place d'avoir plié ça, ah, il y a une subtilité, c'est que ici, je vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir, je vais pas pouvoir. Oh! Comment s'en sortir avec tous ces portails? Ici. Non, le rouge est là. Le rouge est là, mais du coup, je peux pas le plier à cause de la statue. Encore et encore. Cette statue, elle me gêne énormément. Elle va m'empêcher de plier à peu près tout, en fait. La seule chose que je ne peux pas plier, c'est ça. Et ça. Bon là je peux pas parce que j'ai mis Page ici. Je vais la remettre par là. Par là. Pour qu'elle me gêne pas. Ici, je peux pas plier ça. Et on a vu que si je pliais ça, c'était pareil, c'était pas super efficace. Ici, je pourrais récupérer le bleu. Mais en fait, j'ai vraiment l'impression de ne pas arriver sur le bon sens, en fait, là-dessus. Comme si il faudrait arriver dans l'autre sens. Et par exemple, arriver là-dessus. Sauf que ça ne marche pas. Et je peux pas aller là-dessus non plus. Est-ce qu'il y a d'autres lumières que je n'aurais pas vues et qu'on verrait à l'envers? Non.
Après, est-ce que tout simplement je pourrais pas traverser? On a dit que non, je pouvais. On a dit que je pouvais pas traverser. On a dit que je pouvais pas traverser. Parce qu'en fait, je peux traverser, mais je crois que je peux pas marcher là-dessus. Hein. C'est ça. Hein. Ça, c'est du décor. C'est la même chose que ce soit ici ou que ce soit là. Et de ce côté-là, j'ai toujours la statue qui gêne. J'imagine que si je réactive ça, ça change absolument rien. Hein. On est d'accord, c'est ça. Ça l'active, ça le désactive. Ce qu'il me faudrait, c'est celui-là. Celui-là, le problème, c'est que j'ai à peu près aucune idée de comment je vais pouvoir l'atteindre. Parce que... Je peux pas. J'aurais eu tendance à dire qu'il fallait faire dans l'autre sens, mais du coup, ça ne marche pas. J'ai pas d'autres projecteurs, hein. Soyons sérieux. Non, je n'ai pas d'autres projecteurs. Eh bien, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. Je vais réfléchir un petit peu. Et eh ben, on se retrouve pour ce qui sera certainement le tout dernier épisode de la série. Puisque Paige va bientôt atteindre son université. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser, comme d'habitude, un petit pouce, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye!